L'IFAY. Minuit. 106.1 FM. Une tradition de radio belle et intelligente. Wow! Depuis 1935. 20 octobre 2021, Groupe Média Alternatif, 20 ans. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou nal pi loin. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté 24 heures sur Alter Radio 106.1 FM stéréo, sous www.alterradio.org ou dans TuneIn et toute l'autre plateforme internet. Mes principales informations nous présentons dans l'édition 24 heures cap venir. Immédité pour le bail l'appli juste arrivé mercredi 22 décembre 2021 sous plusieurs départements pays d'Haïti. Dimanche soir 19 décembre 2021, bandi à examen lingué professeur Jean-Raoul Monplaisir avec Robert Bien-Aimé y été kidnappé depuis lundi 13 décembre 2021. Au lieu de ces gangs examen 400 maozo yo ki te lage yo sepito lan 8 mercredi 15 décembre 2021, denye goup 12 misyonè Ameriken a Kanadyen pami yo, yon bebe 10 mwa ak yon timon an 3 l'anè te sove ki te kote gang aksam yo te kembe yo a dapre yon potvoi Christian Aid Ministries ki tap pale nan yon konferans sou internet. Nan paplo divers konik nou yot akou ekonomi, teknologi, la sante ak la kil ti. Redekonekte Alter Radio se ponso ak divers sot nou bal devopi pou nan edisyon 24e. Kap vini a. 24e, jounal Alter Radio. Li soti a 6e di swa, li pase tou a 10e di swa, minui, 4e ak 5e di maten epi midi. 24e, informasyon nou bezwen sou Alter Radio. Bienveni nan devlopman 24 jan notab di nan titio. Imedite pral bay la pli jisrive mekwedi 22 Desem 2021 sou plize debatman peyi da itio. Se vwe gen mwens imedite sou yon bon pati nan zile Karaibyo, men gen imedite sou peyi da iti. Se yon sityasyon kap bay bon jan aktivite la pli nan finisman apremidi ak aswe, jisrive mekwedi 22 Desem 2021 sou debatman plato sentral Latibonit, Sid, Grandans, Nip ak Lwes, kote nou jwen zon metropoliten Port-au-Prince-Lan. Tan bel nan mat gen nuaj nan apremidi ak aswe, soti nan nivou 34°C, temperati an pou al desan an 25 pou al 22°C nan aswe. La lune nan bien kleri aswe ak lan nuit lan sou peyi d'Haïti. De tan, yo va evite rentre nan fon lan mea ki kontinuye mouve anpil-anpil, kapten bato chaloup boafouye yo dwe toujou pren prekosyon nesesè yo bo tout kot peyi d'Haïti yo. Vag yo ap monte nan nivou 8 piye wote, bo kot 6 diyo ak 6 piye wote, ni bo kot noy ni bokot zile lagou navyo patwa loin Port-au-Prince. Dimanche soir 19 décembre 2021, bandi a exam lage professeur Jean-Raoul Monplaisir ak Robert Bien-Aimé yote kidnapé depi lundi 13 décembre 2021. Pa gen oken informasyon ki sikule sou kondisyon liberasyon yo, men toutfwa divers vwa te leve pou exije liberasyon profeseur yo san kondisyon. De profeseur yo ap ensegne depi bien lontan nan fakulte siyans nan Universite l'Etat d'Haïtien. Ou lye se gang aksam 400 maouzo yo ki te lage yo, se pito lan 8 mekwedi 15 Desem 2021, denye goup 12 misyonè Ameriken ak Kanadyen pami yo, yon bebe 10 mwa ak yon timoun 3 l'anè te sove ki te kote gang aksam yo te kembe yo a dapre yon potvoi Christian Aid Ministries ki ta pale nan yon konferans sou internet. Apre plize tan yo te fe ap mache nan lan 8 lan, la jounè te koumanse leve epi finalman yo te jwen yon moun ki te permet yo fe yon apel telefonik dapre deklarasyon responsab yo. Ou total gen 17 moun nan goup misyonè yo, parmi yo 12 gang moun, 5 timoun, bandi a exam te kidnapè nan dat 16 oktob
2021 apre yo te sout vizite yon ofelina nan Gantye nan zon Kwa de Boukeyan. Mamb gang 400 maozo yo te mande 17 milyon dola Ameriken kom ranson, 5 lot moun yo te jwen liberasyon yo, yo pa jam di si se te ranson yo te bay. 12 misyonè Ameriken yo gen ta ale an Floride nan yon vol gad koutye Ameriken epi yo te reyuni ak 5 lot otaj ki te jwen liberasyon yo. Padan yon renkont ak jounalist yo vendredi 17 Desemb nan, sekretèr d'Etat adjoint nan zafè Ameriken, Brian Nichols, te fè konnen pa gen oken ranson ki te bay bo kote Etats-Unis pou liberasyon 17 misyonè bandi a exam 400 maozo yo te pran an otaj yo. An koute yo ekstre nan deklarasyon yon nan responsab Christian Aid Ministries yo ki ta bay plis detay nan mikou La Voix de l'Amérique. After discussing their plans, the group felt they should escape on the night of Wednesday. Misye di, yo te diskute plan yo, e goup la te deside yo ta dwe chapè nan mitan lan nuit, Merkwedi 15 Desemb. Yo te planifiye jan yo te kapab, men a la fin, yo mette tout bagay nan men bon dieu. Panan nuit la, yo te fe preparasyon dapre inspirasyon gran met la. Yo mette sou liye, mette boutey d'lo nan poch yo epi rete tan. Dapre sa m kompran, yo te mette mat la yo nan kwen piyes kote yo te fe mer. Le mouman te propis, yo te jwen ou mwayen pou yo louvri pot ki te fe mer epi san fe bwi yo te pran chime yo te chwazi ya. Epi kouri ki te zon lan vit e prese, malgre ki te gen plizye moun ki tap veye tout pre kay la. Ke yo te rekonet epi identifiye nan jou anvan yo, e yo te konen ke se nan direksyon sa pou yo ale. Yo te suiv tou zetwal nan siel la paske te fe nouen nan mouman. Nan goup la te genyen un koup marye, un ti bebe 10 mwa, un ti bebe 3 an, ti moun 14 an, un ti gason 15 an, 4 gason ak 2 fam. Ak asistans ak proteksyon bon Diyo, yo te chapè pou liyo. Yo te mache peut-et 16 kilometre kon sa. Yo te travesse rakboa ak raje nan teritwa gang lan kontrole pandan 2 zot tan. Lumye la lun te eklere chemen yo. Pafwa yo pat konen ki kote pou yo fe, men le kon sa yo te la priye. Sete yon nan responsab organizasyon Christian Aid Ministries ki ta bay plis detay nan yon konfians pou la pres yo te bay nan peyi Etats-Unis. Pati Ayisyen Tèt Kale a PHTK se yon organizasyon kriminel ki si maye gang nan tout peyi a. Se deklarasyon sekte demokratik ak populè a malgre li pat jene asyen akor 11 septem 2021 ak Ariel Henry an, premier ministre de facto a ki konsidere tèt li kom eritye ansyen prezident de facto PHTK Jovenel Moïse. Pi lwen li mande pou la polis jwen bon jan mwayen pou kombat a fenomen kidnapping nan an peyi an. Na wable denye rapor sant analiza kou chèch nan kisyon do amoun nan kad sou evolisyon ka kidnapping nan an peyi an te rapote soti mwa janvye pou rive mitan mwa desem nan gen tan genyen plis pase 900 ka kidnapping ki enregistre dapre sa l fè konen. Premier ministre Ariel Henry recevwa plizye mamb nan sektor privé a nan okasyon fèt fin l'anè yo lundi 20 Desemb 2021. Nan diskou si konstans li, Premier ministre Ariel Henry rete kwe gen bagay ki dwe chanje nan peyi a. Chanjman sa dwe pase nan yon eksamen konsyans bo kote tout moun. Premier ministre Ariel Henry rappele mouman pa pou yap chache yon bouk emisè, men yo dwe chache yon tèt ansam an tout sektor nan la vi nasyonal la. An koute Premier ministre Ariel Henry pou plis detay. Sèd anè, cette situation nous pose des interrogations sur l'avenir et commande l'urgence d'agir pour changer cet état de fait que nous ne pouvons en aucune façon considérer comme une fatalité. Je sais combien vous avez souffert de cette situation, vous, membres du secteur privé des affaires. Ce mois de décembre devrait être celui de bonnes affaires. Pourtant, la réalité vous contraint donc à gérer la disette et affecte ainsi vos chiffres d'affaires. Quelque chose doit impérativement changer dans notre pays. Et ce changement passe par un examen de conscience de la part de nous tous. Comment sommes-nous arrivés là? Que devons-nous faire pour nous en sortir? Ce n'est pas le moment de chercher des boucs émissaires et de jeter la responsabilité sur d'autres. Il est admis que le changement doit passer par la recherche d'un consensus suffisant en tous les acteurs de la vie nationale,
partis politiques, sociétés civiles, secteurs privés formels et informels, organisations populaires, jeunes, paysans, femmes. C'est ainsi que personnellement, depuis juillet 2021, dès mon accession à la primature, j'ai indiqué clairement que mon objectif était de parvenir à un accord politique pour une gouvernance politique apaisée et efficace. Yon lot bo, Premier ministre Ariel Henry rappelé yon nan priorité gouvernement liyan, c'est restaurer autorité de l'État et puis mettre en bout nan question insécurité an, qui empêche population vaquer nan toute activité liyo qui ralentit l'économie nationale là. Premier ministre Ariel Henry dit espérer pendant l'année 2022 y a besoin matériel et équipement pour la police là, une façon pour capable mettre en bout dans zak banditisme ak insécurité. An koute Premier ministre Ariel Henry pour plus de détails. Ma culture politique est celle du dialogue qui implique des sacrifices, de l'abnégation, un certain sens de l'État et du bien commun, le dépassement des intérêts individuels et claniques. L'un des objectifs prioritaires de mon gouvernement est de restaurer l'autorité de l'État et de mettre de façon durable un terme à cette insécurité qui perturbe la libre circulation des personnes et des biens, ralentit l'économie nationale et maintient trop de nos compatriotes dans la pauvreté extrême. Chacun de nous devra faire sa part de contribuer selon ses possibilités à changer la vie. Le secteur privé qui investit prend des risques, crée des emplois. Il a besoin d'un environnement sûr et stable pour prospérer. L'État qui vous demande de payer des taxes a aussi des devoirs envers vous. Mon gouvernement entend faire tout ce qui est dans son pouvoir pour établir la paix et la sécurité. J'espère vivement que l'année 2022 arrive avec les moyens en matériel, équipement et formation que nous cherchons pour mettre la police nationale et les forces armées d'Haïti en situation d'assurer leur mission de protéger et servir dans de bonnes conditions. Je souhaite à chacun de vous une saison des fêtes aussi heureuse que possible. Que l'année 2022 soit, comme nous l'espérons tous, une année de paix, de croissance économique retrouvée. C'était Premier ministre Ariel Henry. Ce mardi 21 décembre 2021, il a chanté au Cap enterrement national 90 moun qui te perdit la vie dans gros difé mardi 14 décembre 2021. Difé a te pété, les yon série moun tal essayé casser cadenas camion gaz qui te fait accident dans zone Samari pas trop loin quartier populaire La Fossette au Cap. Entre lundi 13 pour arriver dimanche 19 décembre 2021, 13 moun mouri ak 73 lot blessé nan accident circulation sou territoire national la, d'après service technique ak opération pour prévenir accident machine ak motocyclette yo et stop accident. Nan dernier bilan sa, stop accident rapporté pendant période sa, gagné au total 31 accidents qui fait 88 victimes dans diverses zones nan pays an. Gen à peu près 1800 garçons ak fam ki tap essayé entrer nan pays États-Unis sous l'anmè garde-côte américain pimpé tourné nan pays d'Haïti pour l'année 2021 d'après Organisation internationale pour migrants yo plis konnen sous nom OIM. OIM di li pa karive kalkule quantité moun kap kouri ki te payan sous l'anmè, li fè konnen tou gen yon vague haïtien ki al riske la vie yo sous l'anmè pour al chache yon lot la vie miyo. D'après sa, Organisation Nations Unies ki fè konnen quantité haïtien ki tente ale nan voie ki pa officiel yo pou al nan lot peyi voisin nan bateau augmente en pile pendant l'année 2021. D'après Organisation Nations Unies, migrants sa yo parti kite peyi d'Haïti pou al chèche sa yo pense ki ap yon la vie miyo a koz difficulté ekonomik peyi a fè fas men tou insekurite ak tremblement de terre ki te frape Grand Sud peyi a nan dat 14 d'août 2021. D'état Organisation Nations Unies ki souligne gwo danje kalte voyaj sa yo reprezenté fè konnen ajans li yo ki nan peyi d'Haïti ap travay bon kote Organisation Internationale Migration OIM pou founi divers servis tankou edikasyon, la santé, proteksyon sosyal, men tou kreasyon bon jan emploi pou ankouraje sitwayen haïtien yo rete nan peyi yo.
84 jeunes femmes et garçons qui sorti dans 6 communes dans le pays a présenté lundi 20 décembre 2021 10 résolutions yo prend pour transition écologique et sociale pays d'Haïti à travers premier forum qui était fait 17 rive 19 décembre dans la communauté Papay dans ville Inche. Jeunes ça fait qu'on est yo adressé diverses recommandations ça yo bay population et puis autorité dans l'état yo dans l'idée pour continuer faire promotion pour PAC sous transition écologique et sociale là qui fait sous initiative groupe action francophone pour environnement GAF avec mouvement Alternative Haïti. Jeune ça yo té dans micro Alter Radio en côté yo. Belader Kafou Keskov qui t'a organisé premier forum jeune pour une transition écologique et sociale en Haïti dans Papay Inche sorti 17 pour arriver 19 décembre qui s'est passé là. Nous prenons résolution ça yo. Première résolution. Nous prenons engagement pour faire pacte pour transition écologique et sociale GAF. Ak Alternative à Haïti a prôné à tourner en boussole dans mode la vie nous. Pour nous faire respecter toute mesure qui la donne et puis pour nous faire tout le monde qui dans section communale yo comprendre ni. Pour yo bien choisir et puis veiller dirigeant yo. Comme deuxième résolution, n'a fait promotion pour PAC là tout côté nous passer à travers moyens que nous gagner. N'a créé moyen pour faire tout le monde adopter et puis signer. Femme ou garçon qui prétendent occuper poste électif yo signer et puis respecter contrat ça. Troisième résolution nous prend engagement pour chercher connait ça pas marcher dans commune nous yo. Pour nous parler à autorité concernée yo, attirer attention yo sur divers problèmes commune yo a confronté. Surtout dans domaine environnement et puis pour nous proposer solution. Quatrième résolution, nous prend engagement pour nous participer dans activité commune nous. C'était plusieurs jeunes qui fait partie initiative groupe action francophone pour environnement GAF avec mouvement Alternative Haïti. Wap koute 24 sou Alter Radio 106.1 FM en stéréo sou www.alterradio.org ou journal TuneIn ak tout lot plateforme internet yo. Aktualite internasyonal lan ak kolaboratris nou Daphne Joseph. Ekip diplomasi Risio anonsè lendi 20 Desanm nan, yap mette deyo de diplomat Alman pou voye repons bay peyi l'Almay ki te akize la Risi nan asasina yon opozan Tchèchen an Almay an 2019. Pati Risla rejte akizasyon sa yo, yo fè konen yo pa kampe soumanyen epi yo dekonekte de realite ya. Se sa, minister Risla nan zafè etranjè fè konen nan yon komunike ki anonsè yo mette de diplomat Alman yo deyo. 5 sivil ak yon militer mouri nan yon atak nan peyi Santrafrik. Se yon atak ak zam, yo te trouve yo nan yon komba anta group rebel ak lame. 20 novem gen yon 30 sivil ak de militer ki te mouri nan yon atak ak group rebel la te komanse. Se sa otorite yo te fe konen. 6 ak 7 desem, yon 15 sivil la te mouri nan atak ak group ak zam te mene nan boyo nan Santrafrik. Yo rati boaze. Krasi kaya yo koupe pie, bra moun, apepre 1500 moun nan te kouri ki te zon nan. Si sa Nasyon Zini fe konen lendi 20 Desanm nan. Texas a komanse ap konstwi prop mi pali sou fontye a avek Meksik. Yo dresse an pil gwo ba an asye. Si sa gouvene a, Greg Abbott a deklare. Li a plen an pil la pou administrasyon Biden nan ki pa fe ase konta imigrasyon ka fet ilegal yo. Texas pran yon mezi, peson pa jan pran, si konstituye yon mi sou frontye nou an, pou mette sekirite epi pou konserve souverente Etazini ak pwop eta nou an, si sa bot a deklare. Ansyen prezident Ameriken Donald Trump a pote plente lendi 20 Desanm nan konta prokire eta New York la Laetitia James pou tante bloke anket li sou yon dosye fraude fiskal nan entreprise familial la. Yo deja depose yon plente devan yon tribunal federal l'Etat. Frote l'idee, randevo chak jou pou n'koze sou sak pase sou l'idee kab glase. Soti inedis rive 3 e, ledi al pou venredi sou Alter Radio 106.1 FM. Frote l'idee, frote l'idee sou Alter Radio. Rele nou nan 28 15 73 85, voye mesaj nan 48 72 79 13. Komunike ak nou tou sou Facebook ak Twitter. Frote l'idee, frote l'idee, randevo chak jou pou n'kroze sou sak pase sou l'idee kab glase. Soti inedis rive 3 e, ledi al pou venredi sou Alter Radio 106.1 FM. Alter Radio.
Frote l'idée, nan telefon, an direk, sou WhatsApp, Facebook, ak tout lot rezo sosyal yo. Yo andevo pou n'pale, parol ba nou. Frote l'idée. Fêtons ensemble les 25 ans de l'Université moderne d'Haïti, UMDH, août 1996, août 2021. Cela fait déjà un quart de siècle, soit 25 ans depuis que l'UMDH, l'Université moderne d'Haïti, dessert la population haïtienne dans les différents départements du pays, tels que Jacmel, Brément, Jérémy, Rochas, Mirebalais, en face du Collège Saint-Pierre, Carrefour, Côte-Plage 26 et Port-au-Prince, première avenue du travail numéro 25. Pendant ses 25 ans de sa fondation, elle se veut être plus proche des jeunes qui veulent à tout prix apprendre une profession en leur offrant 25 demi-bourses dans chacune de ses facultés suivantes: médecine dentaire, biologie médicale, sciences infirmières et pharmacie, reconnue par les ministères de la santé publique et de l'éducation nationale. Nouvelle session, novembre 2021, et reçoit actuellement les inscriptions dans tous ces pavillons précités. Nous vous attendons ou appelez-nous au 48 02 26 72 22 26 78 76. Contactez-nous sur le web www.umdhedu.net. UMDH, l'université de la population haïtienne. Avis. La Direction générale des impôts, DGI, rappelle au public en général et à tous les employeurs généralement quelconques, personnes physiques ou morales, notamment les entreprises individuelles ou sociétaires, les sociétés civiles, commerciales et ou industrielles, les institutions financières, les associations professionnelles, les organismes publics et parapublics, les entreprises publiques autonomes à caractère administratif, commercial, industriel et financier en particulier, les dispositions des articles 93, 94 et 95 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu qui leur font obligation de prélever à la source la retenue sur salaire et de la verser régulièrement à la DGI, accompagnée d'un état explicatif avant le 15 du mois en cours pour le mois précédent. Cette direction générale rappelle également aux employeurs qu'il est de leur devoir de délivrer à l'employé, pour les besoins de la déclaration définitive de ce dernier, un document signé dans lequel figurent les montants prélevés et les numéros de reçus de caisse attestant que ces montants sont versés aux institutions pour lesquelles ils ont été opérés. La direction générale des impôts exhorte tous les employeurs à se conformer aux prescrits des articles du décret cité en référence en vue d'éviter les pénalités et amende prévue par la loi. Cet avis est signé de Jean-Emmanuel Casséus, directeur général de la DGI. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur mixcloud.com/alterradio. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Ou victime violans, pa soufri an silans. Kou, presyon, tizonay, kadejak, kelke swa fom violans lan, li gen an pil konsekans sou moun ki victime nan. Ou victime violans, cheshe asistans. Rele nan 29 19 90 00, lendi pou rive vendredi, soti 8 an an matin pou 8 an an aswe. Samdi, jiska midi. Apelle la gratis et les confidentiels. Numéro 2919 90 00 offre assistance pour femmes actifies qui victimes violence. Aux victimes violence, nous là pour et n'a coûté. Service en urgence, c'est une initiative association haïtien psychologie axée pour Fondation Toya à Care Haïti.
Nan ekonomi, prezident Turk lan pomet pou li kombat la vi chè ki gen ta depase plis pase 21%. An koute Kervin Adam Paul kapote plis detay pou nou. Prezident Turk la, Recep Tayyip Erdogan, promet yon lot fwa anko pou li frene inflasyon an ki aten plis pase 21% sou yon ane nan mwa novem nan epi ki diminye chak jou pi plis pou fwa dachat tik yo. Nou te fe inflasyon an bese a 4% le mwen te rive nan pouvoi eto outa nou ap fel bese yon lot fwa anko, se sa prezident Turk la te deklare nan finisman somet ki Afrik la. Men mwen pap kite to entere a krasi konsitwayen mwen yo ak pep mwen an, se sa li te ajoute pandan yon renkont avek yon serijen Afriken nan yon video ki te difize dimanche lan. Si bon diye vle, inflasyon ap diminye avan lontan, se sa li te deklare pi loin. Augmentation priyo nan peyi lati ki aten 21,3% sou yon ane nan mwa novem nan, men chif sa fe obje gwo batay politik ant oposisyon Rus la avek Ofis Nasyonal Statistik la yo estime ki souzevalye inflasyon sa. Nan sante, plize eksper mande pou gen plis mezi ki pran pou kombat nouvo forma omikron koronavirus lan nan peyi l'Almay. An koute Daphne Joseph kapote plis detay pou nou. Groupe ekspert sa yo, konseye gouvenman alman, koumanse mande moun nan fe anpil predans pou varyan omikron an, epi ya ple detou pou gen mwes kontak ant moun yo nan populasyon an. Fok sa fet prese prese. Si varyan omikron an ap kontinye konsa nan peyi l'Almay, gen anpil alman kap tobe malade yon dey lot, epi ap genyen yap mette an karanten, se sa ekspert yo ekri nan yon rapor. Peyi l'Almay touche nan varyan Delta depi nan koumanseman oton nan. Kantite nouvo ka yo te koumanse ap bese depi le otorite yo te retounen avek pil mezi yo pou empeshe virus la si maye. Otorite la sonya yo nan peyi l'Almay fe konen yo rive vaksine jounen jodi an 70% nan populasyon an. 24 Jounal Alter Radio. Li soti a 6 di swa, li pase tou a 10 di swa, minui 4 a 5 di maten epi midi. 24 informasyon nou bezwen sou Alter Radio. 24 kèri ven nan bout li nan praplo prinsipal informasyon nou te prezante pou yo. Imedite pral bay la pli jis rive mèkodi 22 Desembe 2021 sou plize debatman peyi da iti yo. Dimanche swa 19 Desembe 2021 bandi a exam langè professeur Jean Raoul Monplaisir ak Robert Bien-Aimé yo te kidnapè debi lundi 13 Desembe 2021. Mèsi tout ekip Altea Press ak Altea Radio a nan patisipasyon nan prezentasyon Marlene Jean, Marie Farah Fortuné, Daphne Joseph, Kervin Adam Paul, nan teknik lan sete James Toussaint, nan supervizyon sete Ronald Colbert ak Emmanuel Marino Bruno, nan mikwa avek ou sete Jean-Élie Paul, edisyon jounal sa nan jwen ni an podcast Altea Radio sou Mixcloud ak Zeno Radio. Babay tout moun. 24 Jounal Alter Radio 24h Informasyon bezwen sou Alter Radio. Bina bina boe bina boe. Ou tan dison sa? C'est 106.1 FM Alter Radio. C'est Pascal Toussaint.